Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez superbement bien, c'est votre homme serviteur Eritor. Sidiki Diabaté, Ibawan, Debordo Likoufa et DJ Kerosene, c'est d'eux qu'on parle dans cette vidéo. En tout cas, tous ces artistes-là, franchement, tout baigne pour eux. Ouais, tout se passe bien à leur niveau et puis vous aurez les détails après le générique. Cependant, j'aimerais toujours vous inviter à aller donner de la force à mes artistes, First King et Lyric G. Voilà, moi j'ai vraiment besoin de vous. Moi, je reconnais et puis je suis conscient que sans vous, moi, je suis rien. C'est vrai que ces derniers temps, je n'ai pas trop le temps à faire des vidéos. Mais soyez contents parce que j'ai une très bonne nouvelle aussi à vous annoncer. Une très, très bonne nouvelle à vous annoncer. Voilà, une superbe, super bonne nouvelle à vous annoncer. On se prépare pour les génériques, les amis. Il en fait pour nous, on le fera pour vous. Car dans la vie, mon présent, c'est l'avenir. Qu'en sera-t-il de tous à la base? Quel progrès, progrès à la base? Je procède à des firmes. Kiniwe, Dao, mais viva Miniwe. Voilà les amis, bon retour, j'espère que vous allez superbement bien. En tout cas, moi ça va très bien, vous le remarquez bien au niveau du teint, au niveau du visage, en tout cas, Dieu fait grâce, j'ai bonne mine, je pense, hein, j'ai bonne mine. De quoi est-ce qu'on parle dans cette vidéo? J'ai annoncé quatre artistes: Kérosène, Sidiki Diabaté, Debordo et Ibawan. Mais avant eux, vous avez bien vu First King. Mes abonnés, allez rapidement pour les 10 000 abonnés maintenant. Je vous demande pardon. On est beaucoup ici. On est beaucoup ici. Normalement, au regard de ces nombreux commentaires que je vois sous mes vidéos, c'est des choses qui doivent vite se faire. Peut-être que vous n'avez pas le temps, je comprends. Mais si vous me regardez là, regardez en description, le lien de First King est là. Il y a le clip, il y a le clip, il y a le clip de mon groupe aussi, Lyric G, qui est là. Donc quand vous venez en description, vous cliquez sur le lien de First King, mon artiste béninois, qui fait très fort actuellement au Bénin. Vous vous abonnez à sa page, à sa chaîne YouTube, et vous commentez de la part d'Eritor. Vous revenez encore sur cette vidéo-là, vous cliquez sur le lien du clip de mon groupe Lyric G pour leur donner de la force. Voilà, nous on a la facilité de faire 5, 10 000, 15 000, 20 000 vues ici. Mais là-bas, ce sont les artistes. Ils ont vraiment besoin de vous. Plus ils ont de la visibilité, plus ils sont connus et plus le truc, la musique marche. Donc, allez leur donner de la force. J'ai vraiment besoin que vous leur donniez de la force. Merci encore. Maintenant, Kérosène, de quoi est-ce qu'il s'agit ici, Kérosène? En fait, Kérosène se produit en Allemagne ce samedi. Voilà, Kérosène se produit en Allemagne ce samedi et je fais au passage un gros big up à mon abonné, un vrai, à mon abonné, celui-là même qui aime vraiment Eritor, celui-là même qui respecte beaucoup Eritor, mon frère Djibril Moussa Cissé depuis l'Allemagne, en tout cas, qui attend Kérosène comme tous les Ivoiriens en Allemagne, même à mon confrère le fou, Haruna le gouverneur, le dégameur, en tout cas, je sais que la fête sera très belle. Donc, j'invite toute la diaspora allemande, précisément ivoirienne et des autres pays, à sortir soutenir Kérosène, qui va se produire à Hanover ce samedi-là. Il a vraiment besoin de votre force. Il a vraiment, vraiment besoin de votre force. Il a besoin de votre soutien. C'est l'artiste le plus élevé actuellement du coupé décalé. Franchement, ça mange beaucoup, beaucoup pour lui. Ça mange beaucoup pour lui. Et tous ses morceaux sont un succès. Donc, je pense qu'il mérite amplement votre soutien. Voilà, il mérite amplement votre soutien. Parce que depuis un certain moment, il n'enchaîne que des hits. Et pour ceux qui se déplacent, ceux qui sont déjà allés au show de Kérosène, ils peuvent savoir qu'on s'ennuie pas au show de Kérosène. Parce que c'est des mélodies, c'est de beaucoup, beaucoup d'émotions. Donc, je vous invite tous à sortir nombreusement ce samedi-là, pour aller soutenir DJ Kérosène. Voilà, parce que mon frère Djibril sera là, le fou des gameux, Haruna le gouverneur sera là aussi. Voilà. Et maintenant, on va parler de Sidiki Diabaté. Sidiki Diabaté se produit au Canada, voilà, ce 23 février, c'est un concert live, et j'aimerais dire aussi aux fans de Sidiki Diabaté, qui sont abonnés à ma chaîne, que Eriton n'a pas de problème avec Sidiki Diabaté. Eriton a le courage de dire que son préféré au Mali, c'est Ibawan, mais j'adore la musique de Sidiki Diabaté parce que c'est un super, super, super grand musicien. Ça, on ne peut pas le nier. Voilà, il est très fort, surtout à Sakura, on ne peut rien dire. Parce que ce qu'il faut savoir avec Sidiki Diabaté, il est arrangeur.
Il est musicien et puis il est chanteur. Donc, il faut reconnaître que le gars, il est hyper talentueux. Voilà. Tu vas pas le critiquer, mais son talent, c'est Dieu qui lui a donné. On ne peut pas le lui enlever. Voilà. Donc, j'invite toute la diaspora canadienne à sortir aussi ce 23 février là, parce que je vais revenir par moment sur cette info, sur cette annonce du Conseil là, de Sidi-Kidjabaté au Canada, pour vous dire que c'est la musique africaine qui gagne. Voilà. Quand il y a un Africain qui se produit hors des frontières africaines, normalement, c'est tous les Africains qui doivent sortir, soutenir leurs frères. Voilà, c'est nous d'abord. Avant que vous invitiez vos femmes blanches, vos maris blancs, vos amis blancs, c'est d'abord nous. Voilà, nous les Noirs qui devons sortir comme un seul homme pour soutenir ces différents artistes-là. Donc, 23 février au Canada, voilà, c'est du live avec Sidiki Diabaté. Voilà. Donc, j'invite tout le monde, sortez massivement. Cependant, on parle du Gladia, du boss du Gladia, le boss du rap malien. L'artiste le plus influent du Mali. Moi, j'ai appelé Ibawan. Oui. Ibawan est actuellement en Afrique du Sud et pas pour n'importe quoi. Voilà. C'est un artiste de grosse pointure, donc il signe des contrats de grosse pointure. Actuellement, Sidiki Diabaté sera au Canada le 23 février, mais actuellement, présentement, où je suis en train de vous parler, Ibawan, l'empereur Kanku Musa, le père des gladiateurs à travers le monde, et en Afrique du Sud. Vous savez pourquoi? Il est là pour quelques dates, mais surtout pour un gros business. Il est égérie d'une marque de boissons énergétiques. Voilà, j'ai oublié le nom, mais je pense que dans les vidéos à venir, je vais revenir sur le nom. Cette marque de boissons-là est déjà en vente dans tout le Mali. Dans tout le Mali. Et comme vous savez que les gladiateurs au Mali, ils sont vraiment, vraiment nombreux. Je pense que cette maison-là a bien réfléchi à choisir Ibawan comme égérie de leur marque. Donc, j'invite tous les gladiateurs à consommer sans modération cette boisson-là que représente leur artiste Ibawan et de continuer à regarder le clip de. Là, moi, j'ai pas le temps pour le rager qui parle là. Je vois que ma réussite l'a fait malin. Ils ont tout fait, mais je suis toujours au sommet. Tu connais mon talent, donc sois pas étonné. Je suis tellement loin que t'es pas mon côté. J'ai des milliards de points qui n'ont pas de sommeil. Diamantou n'y a pas de iba de tanya. Diamantou mon logo. Ah, bah oui, tout va bien. Tout va bien. Je pouvais pas finir cette chronique sans passer un bout de clip de Tout va bien. Parce que le morceau, c'est un hit. Voilà. Et puis vous les gladiateurs, je vais vous dire quelque chose. Vous savez que moi je suis pas content qu'on me dise que les gladiateurs ne maîtrisent pas bien l'outil internet. Mais les gladiateurs ce sont pas des gawa, je suis désolé. Les gladiateurs ce sont pas des gawa. Quand vous voyez Ibawan s'habiller, vous n'êtes pas content. Quand vous voyez Sidiki Diabaté s'habiller, vous n'êtes pas content. Quand vous voyez certaines stars maliennes s'habiller, ce sont pas des gawa. Donc montrez à ces personnes-là que vous maîtrisez bien YouTube et vous allez vous abonner. Voilà, allez vous abonner massivement à la chaîne YouTube de votre empereur Kanku Musa Ibawan. Voilà, il a besoin de ça. Parce que c'est pas normal qu'un hit comme ça, au bout de 5 jours, soit seulement encore à 176 000 vues. C'est pas normal. Donc, commencez à vous manifester, à vous abonner et à partager massivement le lien de ce clip-là. Voilà, il représente dignement le Mali et ses gladiateurs en Afrique du Sud actuellement. Mais à vous de faire le travail, les amis. À vous de faire le travail. Voilà. Donc, Ibawan. C'est du gros contrat du côté de l'Afrique du Sud. Donc, merci en tout cas à son manager, à son équipe qui fait du bon boulot, qui fait vraiment, vraiment du bon boulot. Et il y a son album qui arrive. Voilà, son album qui arrive et il a promis qu'il aura beaucoup, beaucoup de participation internationale dessus et même nationale. Donc, c'est un album qui promet. L'album est nommé Mon Empire. Voilà, Mon Empire. Parce qu'il faut reconnaître que le petit, il a trimé, il a bossé, il a vraiment, 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 vraiment insisté. Et aujourd'hui, ça lui sourit. Tout va bien. Voilà. Maintenant, on parle de Par la Nation de Bordoli Koufa. Une histoire d'écurie sale. Les gens parlent. On me dit, non, Rito, tu ne parles plus trop de Bordeaux. On ne comprend pas. Hé, moi, je ne parle pas de Bordeaux dans le vide. Voilà. Tout le monde sait qu'Abidjan, ici. Mon artiste, c'est des Bordeaux Likoufa et ça ne changera jamais. Même si souvent il y a des petits palabres entre le petit frère et le grand frère. Ça demeure mon artiste et je suis très fier d'être fan des Bordeaux Likoufa. Moi, si je fais cette vidéo, c'est simplement pour dire aux fans des Bordeaux de laisser les gens parler. Voilà. Il a dit, dans son direct dernier, il a dit beaucoup de choses avec lesquelles je t'accorise. Je ne dis pas que les artistes actuellement ne sont pas talentueux, ou bien ils ne sont pas forts, ou bien les morceaux ne cartonnent pas. Ce sont de très bons morceaux,
Mais quelque part, le décès de notre regretté Freddy Jarafat entache un peu l'éclosion, voilà, la vraie éclosion même de ces hits-là. Mais Debordeaux dit que ses collègues doivent vraiment, 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 vraiment bien écouter les sons avant de les faire sortir. Vous comprenez un peu dans ce qu'il a dit? De vraiment faire du bon boulot avant de les faire sortir. Et moi, je peux contredire mon article de Bordeaux avec le Lifun de Serge Benoît. Le Lifun de Serge Benoît est un gros hit. Lifun de Serge Benoît featuring Yoruba Swag, c'est un gros hit. C'est vraiment très bien chanté. Il n'y a rien à dire dessus. Donc maintenant, je pense que le cul va sortir. Mais ce que vous devez savoir, le cul va sortir à n'importe quel moment. Mais une chose est sûre, vous n'allez pas le regretter. Vous n'allez pas le regretter. C'est un gros hit. Je le réitère encore, cette phrase qui va peut-être me compromettre un jour, mais j'en suis pas sûr. Le queue du sale sera l'un des sons coupés décalés les plus dangereux de la décennie, à l'instar de 8500 votes. Voilà, Jessimi Djeka de Didier Arafat. Donc, fans de Bordeaux, ne vous inquiétez pas, soyez sereins. Je parlerai de la tisse au moment opportun. Et en même temps, je vous invite à un direct ce 18h concernant la tisse. Voilà. Que Dieu vous bénisse, c'était Hérito. Ciao, ciao. Debordeaux, l'Ikoufa, toujours.